Of the blinds with $100 Andy. Barry, this is really a great fresh experience for us. Normally we are seeing players play with tournament chips. This is real money. Every time they're putting in a bet, they got to back it up with cash. Pocket nines for Antonius. He's going to raise to 2,000. And Benjamin wakes up with pocket tens. He'll re-raise to 7,000. So much for a feeling out period. Yeah. I mean, right off the bat. Look at this. The pot's already up to... Ivy's reaching for extra chips. He's raising another 18,000 with six high. Those big placards are 25,000. And Ivy with a 6-4. We've seen this before. I guess you could say Phil Ivy is setting a tone. You guys want to play big? Welcome to my office. Benjamin makes the call. And look at David Benjamin. I mean, he's got a pair of tens, and Phil Ivey has just juiced up this pot. He just calls it 53,000 in that pot. Nine Jack King on the flop. What a terrible flop for Benjamin. And Antonius is thinking what might have been. He would have flopped a set. But Benjamin, look, he's looking at two big overcards. Makes sense that Ivey could have some of that. 37,000 is the bet by Phil Ivey. So right off the bat, Benjamin is tested, and I just don't see how he calls here. I mean, you've got to give Phil Ivey credit for a big hand. We know he has but a six high. And he's going to fold it, and that six high is going to be good enough, and there's $90,000 in our first pot. Big hand. Bonjour à tous, ici Coquinou, et je suis extrêmement ravi et joyeux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo avec mon compère Nasbrook. Bonjour, bonjour. Effectivement, je suis extrêmement très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon petit Nasbrook, passe-tu un bon week-end ? Oui, ça va. Oui, tout à fait. Qu'as-tu prévu aujourd'hui ? Vas-tu geeker sur le ladder ? Non, pas sur le ladder aujourd'hui. Non. Visite des pâturages aux alentours de ma très chère agglomération bordelaise. Ah, c'est beau. Tu me fais rêver. On va les brouter de l'herbe un peu. Espèce de vache. Nul. Donc aujourd'hui un petit TVT. Du TVT. TVT peut-être un petit russe contre coréen. Oui, puisque nous avons pas six mou. Y'a six mou. Y'a vodka pas six mou. Qui va être opposé à un mangeur de riz. Bonjour. Je m'appelle Yoshimo. Donc là, on va peut-être faire péter les APM, hein, effectivement, si on regarde, nous sommes à... Non, 12. Pas Dieu. Et que fait notre ami? Alors, Yoshimo... Oulala. Que fait Yoshimo, là? Il est en train de placer ses VCS. C'est la danse des VCS. Il est en train de placer ses VCS. Alors, attends. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce qu'il fait, là. Il expand un peu bizarre. Et qui... Oh là. Donc là, il se fait scouter. Et... Alors... Je ne comprends pas trop le sens de sa stratégie, mon petit Nasbrook, pour l'instant, je t'avoue. Alors en face, on a un build plutôt classique, mais... Et donc là, peut-être qu'il va vouloir faire genre je suis mort, et non, en fait, pas du tout. Ah oui. Ah oui, alors attends. Ah oui, tout à fait. Alors en fait, il a récolté 400 de minerais. Il a fait un... Oh oui. Oh oui, je vois. Il a fait un centre de commandement. Et il veut faire croire à son adversaire qu'il n'est pas là. Qu'il y a une erreur. Alors, sauf que le placement des VCS est quand même un petit peu fail. Hein. Non, c'est vrai qu'il est totalement approximatif. Parce que les VCS ne débutent pas du tout comme ça. Non. Donc c'est un bluff. Un bluff un peu foireux. Alors, est-ce que ça va passer? Ça serait quand même fort. Parce que là, notre ami le russe, Psychmo, il va détruire tous les bâtiments et il va pas comprendre pourquoi la partie ne se finit pas. Voilà, et ça va être le GG. Ça va être le GG. Alors que non. Ah, du coup, il nous fait un bunker. Il nous fait un bunker.
Et alors et donc, là, forcément, aucune réaction en face. Sinon, le bluff est tombé. Là, ce qui serait drôle, c'est que Yoshimo fasse un mauvais clic, tu vois, et qu'il bouge tous ses VCS d'un seul coup. Le bluff serait encore moins crédible. Ou qu'il produise un VCS. Ah oui, par réflexe, tu sais. Et en attendant, il a planqué, donc il a pris... Il a pris sa petite station, son petit centre de commandement, il est en train de le planquer là sur la map. Et si tu vois le rally point, il va atterrir derrière le... Ah, il va le foutre tout en haut. Tout en donc, haut. Donc ouais, c'est, c'est assez, c'est assez marrant. C'est assez original, on a les deux premiers Marines de, du russe qui vont arriver. Et vont-ils, vont-ils se faire avoir par ce bluff? Donc là, je ne vois pas trop comment, en même temps, après, il pourra gagner, sauf si l'autre serait quick, mais... Bah oui, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment tout est dans le bluff. Il veut que son adversaire pense qu'il y a eu un bug. Et que même en détruisant son command center. Ça ne passera pas. Ça passera pas. Et non, mais c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant quand même, tu te dis. Il a, le, son, ton adversaire n'a pas bougé depuis le début. Il a un centre de commandement. Bon, je détruis, rien qui se passe. Et je là, il y a trois Marines du coup. Donc là, c'est le centre de commandement qui va arriver. Et donc là. L'autre, le deuxième centre de commandement arrive quand même juste derrière. Ouais, alors donc c'est vrai que c'est là où le dernier endroit où on va scouter quand même en général. Ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il va le voir passer? Non, il ne le voit pas. Il ne le voit pas, donc bon ben... Bah, c'est cadeau, hein. Il va vraiment se poser des questions. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'à faire des vikings pour aller partout sur la map? je ne sais pas. Je ne suis pas sûr non plus. Donc là, les VCS qui se font rouler dessus, ouais. Bien sûr. Ça fume, ça fume. Et là, attention, notre ami russe qui pense qu'il va avoir sa victoire, ses 36 points, qu'il va passer dans la Ligue supérieure. Et non. Et non. Et non. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas gagné? Voilà, alors là, petit moment de blanc. Il va peut-être vouloir finir ce dernier VCS. Et là, il y a quand même beaucoup de Marines, hein, il y a beaucoup de qui Marines. Sortent, qui sortent. Mais moi, j'aurais pensé quand même que du coup, avec son deuxième command center, il allait reproduire derrière. Ah ouais, ça aurait pu être pas mal, mais non, là il y a vraiment, c'est vraiment le tout pour le bluff quoi. C'est Et donc là, les Marines qui vont finir par aller un peu scouter partout sur la map. Ouais, il les split. Là, ça, il commence à se poser des questions. Il se dit bon, il a peut-être fait un bluff. Il doit avoir, il est peut-être un command center. D'où l'intérêt en fait de ne pas avoir expand d'ailleurs et d'avoir vraiment planqué cette ce command center. Alors je ne sais pas si cette stratégie va passer, mais si elle passe, c'est quand même extrêmement risqué. Parce que en gros ouais. J'imagine déjà le P3 Sismo, enfin notre ami russe, qui a envoyé un mail à Battle.net à Bizarre. Je ne comprends pas, il y a eu un bug dans ma partie. Ou alors il aurait fallu qu'il regarde le replay à ce moment-là. Ah ouais. Forcément ça l'aurait fait. Mais du coup, tous les Marines là qui font la danse du ventre autour du bunker. Ouais. Il les a splittés, il est en train de checker. Oh, hey, c'est le Rage Quit. Ah, c'est le Rage Quit. Oh, le Rage Quit. Oh là 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 là. Alors, il s'est fait avoir vraiment comme un bleu. Une stratégie... Une façon monumentale, là. Franchement, il a même pas en plus fini de scouter toutes les bases possibles. Ouais. Et c'est, je pense, une des victoires les plus absurdes que je n'ai jamais vues, Nasbrook. Tout à fait. C'était vraiment spécial ce replay. Le truc le plus improbable qui soit. Et dans le même style, je crois que j'avais vu un replay avec un joueur qui envoyait un message d'erreur au début. Avec player out of 5. Je sais pas si t'avais vu ce replay. Oui, exactement. Et qui soulevait son command center dès le début et qui le planquait. Donc c'est un peu dans le même genre. C'est vraiment jouer sur la crédibilité, la crédulité des joueurs bronze. Et donc ça peut passer forcément. Voilà. Nous essaierons ça en platine. Ou pas. Ou pas. Et juste un petit message, c'est notre ami Sib qui nous a envoyé ce replay. Donc il joue sur un autre compte. Et Sib, c'est celui qui avait fait le rush Forteresse Planétaire, si tu te rappelles. Tout à fait. Un des grands classiques de notre chaîne qu'on vous invite à aller voir. Avec plaisir. En tout cas, merci à lui pour ce replay. Et merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Yeah.